La Chine vient de dévoiler une série de nouvelles politiques visant à rajeunir la région du Nord-Est à l'économie anémique au moyen de davantage de réformes économiques structurelles. Un document indique que des progrès considérables seront perceptibles dans les secteurs importants de la région à l'horizon 2020. Dans les 10 années à venir, la région du Nord-Est devrait devenir la base de production industrielle des équipements avancés, ainsi que la base stratégique des équipements technologiques. Le document rappelle par ailleurs que la restructuration sera synonyme de nouvelles générations de matières premières, d'agriculture moderne et d'innovation. La région, constituée par les provinces du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang, fut l'une des premières régions chinoises à être industrialisée. L'ancrage traditionnel dans l'industrie lourde telle que l'acier, la construction automobile, maritime et aérienne, mais également dans le raffinage des produits pétroliers, a maintenu pendant des décennies une pression à la baisse sur la croissance économique de toute la région.